puisse être allumé. On salue. Revenons à la prédication. Hein? Prédication, il faut pour ça. Il faut pour ça. On va devoir assister. Il est dans nos yeux. Papa, là, on reste dans nos états. Là, on va se faire un peu dans la semaine, frère Raph. Yomoko Oloba na tombo ya lelo. Kolo
En direct.
Que le nom de Jésus-Christ soit loué. Je dis que Jésus soit glorifié. Ce matin, que le nom de Jésus soit élevé. Car c'est lui le maître des lits. Amen. Amen. C'est une grande. Et Zalie Sengomonene pour la vision à Tongo et Alelo. Grande joie pour nous, ce matin. Et Sengomonene pour la vision à Tongo et Alelo. Être présent en ces lieux. Vous avez un peu de cigare. Une grande joie ce matin pour nous. Et Sengomonene pour la vision à Tongo et Alelo. Parce que nous voyons. Nous voyons le Seigneur Jésus à l'œuvre. Ne vous étonnez pas de ce qui se passe. Nous sommes dans un combat spirituel. Mais nous sommes convaincus. C'est dans le combat qui oppose le diable au Seigneur. C'est le Seigneur qui est le victorieux. Toi qui arrives. Quelle que soit l'ardeur du combat. Quelle que soit la difficulté de l'épreuve, tu devras le retenir. Une seule fois pour toutes. Et dans les combats qui opposent le Seigneur au diable, c'est lui qui sort victorieux. C'est lui qui sort vainqueur. C'est lui qui sort dominateur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors ne vous étonnez pas. Le diable puisse faire ses mitoutours. Mais en fait, c'est ce que vous voyez. Ce sont des mitoutours. Nous l'avons déjà vaincu. À la croix, il a été dépouillé. Sa tête a été brisée. Et le Seigneur a donné la victoire aux saints. Tel que nous sommes ici, nous sommes un royaume de vainqueurs. Sache une chose, et je te l'ai dit, retiens-le une fois pour toutes, que dans les combats qui opposent le Seigneur au diable, c'est le Seigneur Jésus qui est victorieux, et cette victoire il nous l'a donnée. Nous sommes plus que vainqueurs. Ils ont dit qu'il pleuvra. Vous voyez qu'il n'a pas plu. Aux environs de 5h du matin, il a menacé une pluie. Le Seigneur est merveilleux. Pour la Kembola.
pour la pessimisme. Lève-toi. Élémane. Et descends dans la maison du potier. Et quitta Nandako Namoyemimbe qui Yamabere Abumba. Là, je te ferai entendre mes paroles. Oete Wana Ngai Nako Yokisakayo Bamaloba Nangai. Je descendis dans la maison du potier. Et voici, il travaillait sur un tout. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier.
ekomelaka mabelo ya bumba na loboko na moyemi na yango. Il en réussit un autre. Asali mosusu. Et il trouva bon de le faire. Lolenge amona ki malamu kosala yango. Et la parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Pe liloba na nzambe eyebisami na epai na ngai na maloba maye. Ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers? Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Loko kiko fanda. Vous avez reçu un carton d'invitation. Bozwaki lokasa na mbela. Vous avez lu des affiches. Botangaki balokasa oyo ekomamaki. Vous avez regardé des banderoles. Botalaki babilamba oyo komami. Le thème, il est connu. Ne moto to mokonza eyebani. Le potier. Moyemi mbeki. Livre de Jérémie, nous venons de lire l'écriture. Buku na Jérémie a touti kotanga likomi. Je voudrais que vous m'écoutiez attentivement. Parce que peut-être que je ne parlerai pas comme votre pasteur parle. Parce que avec cette écriture, Dieu m'a donné une orientation précise. Le potier. Dieu dit à Jérémie, va dans la maison du potier. Zamba yebisi Yeremia akende na ndako na moyemi mbeki. Le potier c'est cet homme. Moyemi mbeki za moto yo. Qui travaille avec l'argile. Asala kamosala na mabele ya bumba. Qui prend le temps de s'occuper de la forme à donner à l'argile. Azozo atango apesa lolenge na mabele ya bumba. C'est donc un spécialiste. Azande moto yo ayekoli yango penza. De l'argile. Na mabele ya bumba. Alors il avait sa maison. La Bible appelle cela la maison du potier. Je lui dis, quand l'Éternel me parla, j'observais sa parole et j'ai descendu. Arrivé sur les lieux, j'ai vu les potiers qui avaient pris de l'argile. Regardez que le potier ne prend pas l'argile avec les pieds. Ah, il le prend par ses mains. Il récupère l'argile. Jérémie le prophète le regarde. Suivant l'instruction de Dieu. Je voudrais que quand nous parlons, vous devez regarder. Parce que si vous ne regardez pas, vous ne verrez rien. Il y a des choses qui se passent dans la maison du potier. Pour en retirer l'instruction, il faut regarder. Alors Jérémie regarde. Il voit comment le potier fait le vase. Il fabrique le vase. Mais dans sa tâche, Jérémie observe que le potier regarde le vase qu'il a fait lui-même. Il brise cela. Il dit non, c'est pas ça. Il reprend un autre morceau d'argile. Et il refait un autre. Et entre temps, la parole de Dieu dit, Jérémie, tu vois ce qu'est l'argile entre les mains du potier. L'argile n'a rien à dire. Ma belle à vous, mes amis, le quoi pour le matin. J'observe ici. Ah, on a côté là. Que l'argile. Et ma belle à vous. N'a aucune décision. Et j'attends le lingue de quoi qu'on soit mon cœur. L'argile subit la décision du potier.
Il n'a aucun mot à dire. Il était là. Il a dit ce n'est pas l'argile qui a appelé les prostituées. L'argile ignorait même l'existence des prostituées. Quand le potier lui-même décide d'aller vers l'argile, de prendre l'argile, de ramener l'argile dans sa maison. Parce que le potier n'a pas pour habitude de laisser l'argile en cours de chemin. Moyemimbe kazakana komesanate azwa mabele abumba asela bona njelate. L'argile quitte les lieux de son origine. Mabele abumbe bibi eskeza laki. Sa destination c'est la maison du potier. Okende na yango za inde ndako ya moyemimbe. C'est bien. Et ça m'a l'air, moi. Hein? Parce qu'en fait, je voudrais vous dire tout de suite. Que le potier, c'est Dieu lui-même. On n'a pas beaucoup de temps. Le potier, ce n'est pas ma kolokotambo. Le potier, c'est Dieu lui-même. Le potier, ce n'est pas ton pasteur. Quelque grand qu'il peut être, aucun pasteur ne peut s'auto-proclamer potier. Le potier, c'est Dieu. Mais l'argile, c'est nous. Ma belle Abumba Deviso. Vous voyez? Omoni, nous étions là-bas. Tozala Kikuna. Sans vie. Tozala Bomoïte. Inanimé. Toninga Nakase. Sans respiration. Tozala Kina Pemate. Ce n'est pas nous qui avons appelé Dieu. Biso Tobenga Nzambe. Mais c'est Dieu. Kasinza. Dans sa souveraineté. Mais beaucoup la Gavonzambe. Allez nous chercher. Allez Kolukaviso. Là où nous étions. Et si Tozala Ki. C'est le Tolombo. Kuna Naba Tolombo. C'est le topoke. Oula la batopoke. C'est le babali. Oula la babali. C'est le barouba. Oula la barouba. C'est le lokele. Oula la balokele. C'est les indiens. Oula la baendo. C'est le français. Oula la batona kigele. C'est les arabes. Oula la batona arabo. Le potier est allé là-bas. Moye mimeka keki okula. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est ça, l'imino tende vos potai. Christ dit c'est moi. Histoire Kibino. Personne n'est venu ici. Mon ami même. Motaya wa tena yemoko. Si tu es là où tu es. C'est parce que le Seigneur est allé te chercher. Et quand il part te chercher, il ne te laisse pas à court de route. Il t'amène. Parce qu'il a un travail à faire avec toi. Le travail de Dieu ne se fait pas sur la route. Le travail de Dieu en ce qui concerne l'argile se fait dans la maison de Dieu. Amen. Jérémie a triché ça quelque part. Jérémie Aïba qui a mis comme un consombolo. Au commencement. Naïbani. Hein? Parce que tant que vous êtes là, il faut voir qu'Akabishoné Bandé. Merci. Yabana Kora Lobaka au commencement, il n'en était pas. Naïbani Bandé. Tika Kakote à Mogoulou Mogoulou. Merci. Le potier, le tout premier potier. Moïse
c'est Dieu lui-même. Les gens ensemble, après avoir fait les jardins, la Simana Kosa les langues. Dieu décide de créer l'homme. La moto. Il dit, faisons l'homme à notre image. Alobi, tosa la moto, na ililingi na biso. Et à notre ressemblance. Yo domie bakate. Lokolo zaliwa. Bala kosusu tambola kamo ulu mo ulu pa. Yo ye bakate koza la kanzambe. Merci. Qui ne sait pas que tu n'es pas n'importe qui. Toi tu es Dieu. Oye bakate, oza motana ni nyoso toza nzambe. Tu meurs comme un homme. Ozo kufande le mola mbeka. Et Dieu a fait des choses. Et Dieu a fait des choses. Il 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 a fait des choses.
pote botilo. Et ça pote. Parce que si nous aimons le Seigneur aujourd'hui, si nous nous attachons à lui,
aujourd'hui, c'est parce que lui, dans sa souveraineté, il nous a aimé le premier. Culte de fraternité. L'osambo yabondeko. Que cela ne soit pas un vain mot. Une habitude. Mon messie. Que ce soit vraiment un culte de fraternité. Que tu me regardes désormais comme frère. Peu importe que je ne sois pas de ta tribu, de ton village. Nous n'avons qu'un seul village. Nous n'avons qu'une seule tribu. C'est le village de l'évangile. Et notre langue, c'est l'évangile. Quand toi tu parles, j'écoute. Quand je parle, toi tu écoutes. Parce que nous parlons la même langue. Et notre langue, c'est l'évangile. C'est une autre manière de vous dire aimez tous les uns les autres. Le premier c'est Jésus. Il t'a choisi au loin. Ne viens pas à l'église de Dieu avec le comportement du pays éloigné. Laisse les vivants là-bas. Les qui sont là-bas. Qui sont pour nous qui t'embouquer là-bas, qui t'embouquer pour nous, laisse ça là-bas. Oh mon gars, la couna, et vous t'étais là-bas. Oh mon tété, la couna, laisse ça là-bas. Si t'as la couna, entre à l'église, contre à l'église, de l'instruction, yo passe la cause à Kimia. Si tu sens en toi, soko yo qui katinaïo, le désir de rejeter l'autre. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il s'amonique et zomata. Non, non. Vous voyez, ici c'est quand même chez nous. Oh, moni. Ah, ça n'est pas la mission. Hein. Chez vous, c'est où? Et pas la ville de Wabi. C'est où chez vous? Et pas la ville de Wabi. Nous sommes voyageurs. Tous en bas, pas, hein? Sur cette terre. Namabele. Nous sommes passagers. Tous en bas, les 15 là. Ici, ce n'est pas chez nous. Ah, c'est pas la mission, hein? Nous avons été parachutés ici par le destin de la vie. Mais c'est un séjour momentané. Nous rentrons quelque part. Dans le pays d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La terre qui a été promise. Frère, ne t'accroche pas à la terre. Parce que l'argile ne s'est pas accrochée à son origine. Il n'a plus rien dit, il a accepté de suivre. Suis la parole. Tu m'aimeras. Je voudrais que tu rentres d'ici aujourd'hui. En enseignant au Congo. Et nous devons être un. Et c'est que parce que l'Église doit montrer l'exemple aux païens. Il ne faut pas que les guerres tribales entrent dans l'Église. Et c'est que prédicateur, écoutez-moi bien. Ne divisez pas les peuples de Dieu. Laissez vos tribus dehors. Dans la maison de Dieu, il n'y a qu'un seul peuple. C'est le peuple de Dieu. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à élever les gens au ministère, ne choisis pas selon les villages. Choisis selon les critères de Dieu. Yo, pona kolandisamana mindelo ya nzambe. Si toi, pasteur, tu es torongo. Soki yo mobate lozali torongo. Et que tu as un disciple torongo. Ozape na mo vitei mo bandisi na mo yo torongo. Atteint le niveau nécessaire. Oya koki na notel. Kotongo la yete. Voilà.
Que même dans la prière sacerdotale, le vrai potier a dit Père, parce que le vrai potier c'est Jésus. Il dit Père, fais qu'il soit un. C'est pour ça que j'ai aimé dans les chants. J'ai touché Tamboué. J'ai dit, cher grand frère, qui est mon frère. Et lui, je suis sûr qu'il l'a dit, parce qu'avant il m'a dit que la grâce de Dieu soit sur toi. Vous voyez comment je prêche avec onction. Comment ça entre dans ton cœur. Parce que tous les hommes de Dieu que vous voyez sont tous unis. Quand je dis A ici, et ils disent A là-bas, c'est comme ça que nous gagnerons le monde. Père, cet évangile a été prêché par 12 bouddhas. Il n'avait pas le niveau de la scolarité que nous avons. La Bible les appelle les hommes du peuple sans instruction. Les hommes du peuple sans instruction. Tu es capable de saisir des hommes de rien. Et de bouger le monde avec les hommes du peuple sans intérêt. Vous imaginez l'enseignement donné par les hommes du peuple sans instruction. Tel objet aujourd'hui des études théologiques jusqu'au niveau des doctorats. L'enseignement donné par les hommes du peuple sans instruction. Oh, professeur à l'université, aux Aliwana, il n'est rien du tout. Tu es capable de prendre les gens rien. Il est donné la chose pour bouger le monde. Alors ne te néglige pas. Parce que Dieu t'a choisi. Tu es dans l'armée de Dieu. Il faut que tu sois debout pour gagner le monde avec la victoire que tu as, avec l'évangile que tu as, l'évangile de l'amour. Parce que c'est avec l'amour que nous gagnerons le monde. Oui, le peuple se déchire. Le peuple se rentre dedans. Il n'y a plus de bon voisinage. Les gens s'insultent. L'église doit être au milieu. Pour dire, y compris aux politiciens, ne prêchez pas la division. Moi, je vous l'ai dit parce que j'étais là-bas. Je ne connais pas un monde divisé comme le monde politique. Je bénis le Dieu et Saint de m'avoir délivré. Un serviteur de Dieu ne doit pas perdre la politique. La politique était. Il faut laisser la politique
aux hommes. Tika politique la bateau et à Moki. Et aux femmes. Na basi à Moki. Pas aux hommes et des sacerdotes. Eh, banga manzambe te mi bali ya banga manzambe te. Mais on dit non, il est allé à Kisangani. Balbi à quel Kisangani? Il prépare l'élection. Azali kolenge la koponama. Oui, vous avez raison. Je prépare une élection qui avait déjà eu lieu. Nazar kolenge la koponama, c'est ça le matin. Élection du royaume des cieux. Je n'ai plus rien à faire dans les histoires de si de paix et de paix perdues. Je ne regardais plus là-bas. Je m'a délivré de ces choses-là. Un serviteur de Dieu n'a rien à faire là-bas. Je viens ici aujourd'hui pas pour vous annoncer un homme. Je suis un président. Je suis un Jésus-Christ. Vous voyez, j'ai répondu à la question de plusieurs. Ah, l'heure est venue. Longue-lé. Nous ensemble. Et longo. Nous devons gagner Kisangani. Donc, Kisangani. Kisangani doit sortir de la division. Kisangani se de la sorcellerie. Na bondoki. De la magie. Na soloka. De toutes ces mauvaises. Et les gens doivent croire à l'évangile. Donc, il y a des gens qui sont en train de se faire. Donc, il y a des gens qui sont en train de se faire. Donc, il y a des gens qui sont en train de se faire. La fraternité, c'est l'unité de l'évangile. Tous nous sommes une église des saints. Ce qui nous rassemble, ce n'est pas le nom. On met dans des murs. Bati a wana na efelo. Assemblée des saints au Congo. Basa, Congo. Ce qui nous unit, ce n'est pas ça. Oh, les autres sont les autres wana te. Ce qui nous unit. Oh, les autres sont les autres. C'est l'évangile. Les andes sango bala. Que nous prêchons de côté. La communauté, ça veut dire la communion de l'esprit. Oh, les sanga, les alinde, eko kabola, toko sangi sa molimo. Amen. La communion de l'esprit. Bon, bon, bon. Mais à cause de l'évangile, vous allez obligé à l'évangile. Pourquoi t'en as l'eau là? Vous allez obligé à recevoir la langue. Vous allez obligé à l'évangile. Obligé à l'évangile. Obligé à l'évangile. Obligé. Je l'ai dit aussi bien aux pasteurs qu'aux frères et sœurs. Wana na lobi ango atay pai na babateli pe bande kobasi mibale. Le petit. Moye mimbe. Je vous ai averti. Na kebi sibino. Et je ne vous parlerai peut-être pas comme vos pasteurs. Na yebisa kibino na koloba lokola babateli na binote. C'est le Seigneur Jésus. Ezankolo Yesu. Il est allé nous chercher là où nous étions sans vie. Qui nous a amenés dans sa maison pour nous façonner selon lui. Aïe, ma biso colani sa manaye. Abondissio, abondissio, abondissio. Amonique au coquette, à Tikio. Bravo, Malaka, te voilà, les amis, allez, un bon coup d'Israël, un bon coup de chouchou. Aïe, ma cabane. Ménageons le coup de l'autre. Voyez deux peuples, voyez le bon coup à Tika qui est. Aïe, bien. Mais la zone où on a les lotés, c'est que j'ai dit.
sais que on a colombé Zali, ma belle et son timaba et maï. Pas bon qui saille. Pas polirie. Azala ma gougou te. Azala bien sembe sembe. C'est le travail d'Ephésiens chapitre 4. Il a été donné pour les perfections. Les perfections. Aux alas qui m'ont dit, ah, ou, t'as encore continué à